Sportif, bonsoir. Le cyclisme et le football seront les deux disciplines du premier numéro du panorama des sports du mois d'avril. Hormis espoir, Eddy Bauman, le chef de division des sports du Centre des œuvres universitaires de Lomé Cool, que nous attendons et qui reviendra bien sûr sur le démarrage des championnats universitaires 2022 cet après-midi au campus de Lomé. Nous serons accompagnés par les habitués tels que Jean-Louis Koudjounou, Florent Kataka et Espoir Assogbavi. Alors, bonsoir Jean-Louis. Oui, bonsoir Claude, bonsoir à la table, bonsoir aux fidèles auditrices, auditeurs et téléspectateurs. Oh, mais tu es habitué aussi à la radio, ben hein, oui. C'est normal. Que tu veux, merci de nous suivre. Alors Florent, on ne s'est pas trop ennuyé le week-end? Non, comme d'habitude, un peu de sport et puis accompagner les enfants aussi sur les différents terrains, basket, tennis, football. Alors, le grand frère Espoir, comment s'est passé le week-end? Comme d'habitude, repos, télé, sport et puis voilà. Espoir, on a joué au football, bien, on a marché. On a marché, on a joué et puis on a regardé les matchs à la télé. La gymnastique. Alors, du 2 au 8 mai prochain, les coureurs togolais prendront part au Tour cycliste international du Bénin, 17e du genre. En vue de permettre aux nôtres de représenter valablement le pays à cette compétition, la Fédération togolaise de cyclisme a organisé hier entre Lomé et Thiévi, en passant par Vaugan, Enfouin et Tablibo, soit une distance de 124 km, une course de sélection. Course à l'issue de laquelle 10 coureurs, dont 6 du club de Palimé, ont été présélectionnés pour une mise au vert dans les prochains jours. Cette course a été suivie pour nous par Tchempiou Teba. Ce n'est pas encore le célèbre Tour du Togo qui aura lieu d'ailleurs à partir du 22 juin, mais ça en a l'air, vu l'enjeu, être sélectionné pour le Tour du Bénin prévu du 2 au 8 mai. Une quarantaine de cyclistes, dont des filles, s'y sont lancés pour 6 places togolaises accordées à ce tour du voisin de l'Est. Lomé Vaugan, Enfouin Tablibo et enfin Thiévier, soit une distance de 124 km à parcourir. Parcours que le trio de Palimé, composé de Kébé Esso, Nikaï Joseph et Kaku Koku, prend à son compte. À partir de Wassem et le nouveau Adelbert qui va maintenir la cadence harmonieuse de ses pédales jusqu'à la ligne d'arrivée à Thiévi. Kébé Esso franchit cette ligne en premier en 3h33min56s. Avec une vitesse moyenne de 35 km par heure, suivi de Nikaï Joseph, 3h33min57s, et de Kaku Koku, 3h36min58s. Les trois sont de Palimé, qui raflent d'ailleurs 6 places des 10 meilleurs coureurs présélectionnés. Rester les mains croisées, ça ne va pas aller. Donc je vais encore améliorer mes entraînements pour encore montrer le meilleur. Au titre du Bénin, on peut compter sur moi. Pour le Togo, je suis prêt. Faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense que ce n'est pas de nom à n'importe qui. Et ça veut dire qu'un travail sérieux se fait à Palimé. Je suis très satisfait, premièrement, par rapport à toute mon équipe. Et je suis aussi très satisfait par rapport à moi personnellement. Parce que cette course pour mon équipe, c'est un retour. À la fêtière nationale de cyclisme, ce qui est sûr, le temps n'attend pas. Notre objectif, même en organisant cette course d'aujourd'hui, c'est de ne pas rater une semaine. C'est qu'après la course d'aujourd'hui, nous aurons 3 semaines disponibles pour travailler avec les coureurs. Donc je crois que nous allons faire tout, leur donner les moyens pour qu'ils soient au campement très tôt, aussitôt après les résultats, qu'ils rentrent au campement. Avec nos maigres moyens, je suis sûr qu'ils comprendront. Et ça ira. Après le mot d'encouragement et de soutien des autorités, dont le représentant du ministre des Sports, la course a été clôturée dans un premier temps par la démonstration de l'équipe féminine de cyclisme du club Agaza de Lomé. Ensuite, par la remise d'enveloppe aux 3 meilleurs coureurs, un geste de l'Association des anciens cyclistes du Togo. Et voilà, Espoir, disons que les activités reprennent peu à peu. Hein. Oui, chacun renoue avec sa discipline favorite. Grâce à la levée des restrictions sur la pandémie,
les fédérations ont commencé à reprendre les activités et pour les compétitions nationales également, éventuellement pour les compétitions à l'international. Donc il est tout à fait évident que les compétitions reprennent, puisque le but de toute fédération, c'est d'exercer des compétitions nationales et internationales. Donc c'est de bonne guerre que cela a repris. Alors Florent, c'est bien quand même de viser les compétitions internationales, notamment les compétitions sous-régionales. En commençant donc par ce 17e Tour cycliste du Bénin qui s'annonce. Et il faut se préparer. Et quand on sait que beaucoup de coureurs africains commencent par montrer ce qu'ils savent faire du côté de l'Europe. On a vu récemment cette semaine le jeune érythréen qui a montré de belles choses du côté de la Belgique. Et je pense que le Tour cycliste du Bénin, c'est un enjeu. Ils ont réussi et ils sont en train de réussir à l'organiser. Et c'est aussi en même temps un appel à la fédération aussi de cyclisme du Togo. Après le départ de Francis Ducreux, il est quand même de bon ton qu'on puisse montrer qu'on peut organiser les choses nous-mêmes. Et c'est ce que les Béninois sont en train de faire. Et il faut que le Togo aussi emboîte le pas. Il ne suffit pas de se préparer, mais aussi de bien organiser notre propre tour cyclisme, car quand on sait aussi que ce tour-là, c'est en même temps, ça a des aspects, culturels, en même temps touristiques. Donc c'est très important. Alors Jean-Louis, on a quand même vu le retour de Kangaraouf. Oui, il fait du bon travail à Palimé. Ouais. Ça m'a surpris que sur 10 coureurs, il y a 6 de Palimé qui sont sélectionnés. Je me dis qu'il y a du bon travail qui se fait là-bas grâce à Kangaraouf, parce qu'entre-temps, c'est comme s'il avait fait désertion et puis il sait ce qu'il voulait. Donc il a pratiquement créé son équipe là-bas. Il a reculé pour mieux sauter. Voilà, et là il travaille bien. Bon, on ose bien croire. C'est bien que le Togo puisse commencer par se préparer avant ce tour cycliste du Bénin, c'est bien. Mais comme Florent le disait tantôt, le tout n'est pas de se préparer. Mais il faut aller là-bas pour émerger. Je ne dis pas nécessairement qu'il faut être en tête du peloton, premier du peloton, mais il faut être parmi les meilleurs. Si l'occasion se présente, il faut l'avaler. Okay. Alors, Palimé, qui te rappelle sûrement le lycée de Cogny? Ah ben oui, le lycée de Cogny dans le temps. Hein. Alors, espoir, le cyclisme n'est pas au programme des championnats universitaires cette année. Bon arrivée dans la foulée. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir Nico. Oui, le cyclisme n'est pas encore à notre agenda, mais je crois que ça ne saurait tarder vu la progression de nos championnats universitaires. Donc, patientez un peu, il y aura des cyclistes universitaires. Ok, bon, alors nous allons donc tout de ce pas parler donc du championnat scolaire, nous en parlons tantôt. Les championnats sportifs universitaires édition 2022 sont officiellement lancés ce lundi à l'Université de Lomé avec en toile de fond match inaugural de football. Il a mis aux prises la formation de l'Institut supérieur d'administration des sciences économiques et de gestion, ISAGES, et la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG. Match remporté par FASEG 1-0. Compte rendu de la séance avec Sonia Amenipo. Oui, quelques soucis donc au niveau de ce sujet. Nous aurons donc l'occasion de revenir dessus. Alors, espoir, et voilà. Les trucs ont démarré cet après-midi sur le terrain rouge du campus. Oui, on a tant espéré et après 2 ans de disette, on est de retour. On est de retour à la faveur de la levée des restrictions sanitaires un tout petit peu et à la volonté vraiment des autorités de redonner un peu de joie à la jeunesse universitaire. Et je crois que nous avons saisi la balle au bon et nous avons essayé d'organiser du mieux possible un championnat qui respecte un tant soit peu quelques règles qui subsistent pour ne pas tomber dans la négligence par rapport à la pandémie. Donc ce soir, on a démarré les championnats universitaires avec un défilé et un match inaugural qui s'est terminé il y a peu. Alors on a aussi rendu hommage à Feu Chris Daké. Oui, c'est à ça que je voulais en venir à la suite. Parce que avancer les événements. Oui, c'était incontournable. Il fallait le faire. Et Chris Daké, je peux dire que c'était un grand frère, un mentor.
qui nous a beaucoup appris, nous qui l'avons côtoyé. Et il a creusé un sillon dans lequel nous essayons de mettre nos pas et j'espère que nous serons à la hauteur. Donc, comme disait pasteur Martin Gray, il ne faut pas rester dans la douleur quand un être part, mais il faut essayer de mettre ses pieds dans le sillon qu'il a creusé pour l'agrandir. Donc, nous essayons de faire de notre mieux. Alors, ce championnat va durer combien de temps? Le championnat va durer un mois, quatre semaines, et du 4 avril au 4. Comme la CAN ou la Coupe du Monde, quoi. Bon, disons, au niveau universitaire, jusqu'au 4 mai, la finale c'est le 4 mai, donc il y aura plusieurs disciplines, comme d'habitude, et nous remercions par ce truchement vraiment nos autorités qui ont fait diligence, qui ont compris que nous avions fait des efforts pour organiser ce championnat et puis qui nous ont permis un certain nombre de choses, et nous les en remercions vraiment. Vous avez soulevé un point saillant là, vous avez parlé des autres disciplines. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de ces disciplines, à part le football bien sûr, qu'est-ce qu'il y aura comme discipline? Ok, et ça mérite explication parce qu'à l'origine, ce qui était permis c'était le football féminin et masculin et l'athlétisme féminin et masculin. Mais chemin faisant avec l'amélioration des conditions sanitaires, et les autorités nous ont vraiment ont compris notre volonté d'aller un peu plus loin et nous avons pu y ajouter quelques disciplines telles que les sports de main en général, un peu le tennis de table, le tennis et le taekwondo. Mais le taekwondo, ça ne sera pas un taekwondo de combat. Ça sera une technique, ça, ils appellent ça le bob fighting ou bien le pumse. Donc ça ne sera pas. Et les katas. Hein. Et les katas, ça ne sera pas un combat, mais une démonstration de technique. Alors, Florent, le décor est ainsi planté. Hein. Les étudiants vont bien sûr retrouver le sourire après pratiquement 2 ans de disette, comme on l'a dit. Non, il faut encourager ces événements, il faut encourager ces initiatives. Et d'autant plus que tout ce qui concerne l'organisation au niveau sportif, ce n'est pas facile à faire. Il faut réunir beaucoup de paramètres pour que cela se passe bien. Et encore qu'il faut, comme entre autres paramètres, le côté médical, parce qu'on peut craindre aussi des blessures. On sait que c'est des étudiants. Ce n'est pas leur matière première, le sport. Mais en même temps, ayant espoir à côté, je profite pour dire qu'il faut cultiver donc cet aspect-là, sport-études, qui fait l'hégémonie donc des universités américaines aujourd'hui et qui permet même de financer des études et de donner des bourses d'études à beaucoup. Mais en même temps, je reste encore sur ma faim quant à ce qui concerne les infrastructures, même si on a vu que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais continuer par jouer sur du chaudron rouge, je pense qu'au niveau du football, ce n'est pas encore encourageant, mais je sais que les efforts sont en train d'être faits pour que cela puisse être corrigé. Mais en même temps. Oui. Non, je ne défends pas espoir, mais oui. Par rapport aux certaines informations que nous avons eues, non, il y a des travaux qui ont commencé bien sûr. Oui. Sur ce point, justement, il a vraiment raison de soulever le point, mais les autorités y ont pensé d'avance et il y a un mois, on a fait le lancement des travaux. N'eût été le début des champions universitaires sur le terrain rouge. Ce terrain devait être en chantier déjà. Donc, je pense qu'on nous a laissé finir le championnat et puis le terrain, le lancement des travaux est fait. Donc, forcément, d'ici la fin de l'année, on aura un terrain flambant neuf. Bon, j'encourage, mais en même temps, sur les sports de main. À part le football, il y a les sports de main. Les sports de main. Il y a l'université aujourd'hui. Nos terrains n'ont plus rien à voir avec ce qui existait avant. Tout a été rénové et puis vraiment, ça fait plaisir à voir. Donc, on avance avec le nouveau. J'allais dans ce sens. Il est rassuré. C'est bien, j'encourage, mais il faut aussi plus. Il faut une salle. Parce qu'on voit les universités, l'université de Legon. On ne va pas aller là-dessus. L'essentiel, c'est qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Et en même temps, en ce qui concerne la détection des talents et leur enregistrement dans le système, pour ce qui concerne le football, le système FIFA, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Est-ce qu'il y a ces possibilités? Et la collaboration aussi avec des clubs. Parce qu'une chose est de
montrer, la plupart de ceux qui sont là-bas sont aussi en même temps dans d'autres clubs privés. Comment se fait l'adéquation, comment se fait les relations avec toutes ces unités-là? C'est des éléments que je souhaitais souligner. Permettez-nous d'aller pas à pas. Oui, parce qu'on ne va pas déballer tout ici. Oui, aujourd'hui, par exemple, dans toutes les équipes, même en équipe nationale, nous avons nos étudiants qui s'y retrouvent et certains qui évoluent ailleurs. Donc, je crois que c'est un vivier, l'université. Nous offrons la lumière pour que les gens viennent prendre. Mais après, quand il est dans un club civil, nous n'avons plus vraiment d'emprise sur lui parce qu'il est dans un club civil. Mais comme vous dites, il y a des idées qui sortent. Peut-être on aura une équipe universitaire qui va compétir au niveau du championnat national. Et là, je crois que nous pourrons suivre vraiment nos gens. Alors, Jean-Louis, rapidement. Oui, non, mais sincèrement, ça donne de la joie au cœur de retrouver cette compétition au niveau de l'université parce que pratiquement chaque année, Espoir est là, il nous invite toujours à venir suivre les joueurs et les proposer en plus à certains clubs. Il y a beaucoup de présidents des équipes togolaises qui arrivent sur le campus pour regarder cet événement, surtout au niveau du football. Et dans les tribunes, quand tu vois dans les appartements, sous les appartements, tu vois beaucoup de monde qui viennent regarder ces matchs. Et c'est juste pour vous regarder et bien choisir les oiseaux rares qui peuvent servir dans leur équipe respective. Donc c'est bien de reprendre. Il est vrai, la pandémie nous a bloqués pendant pratiquement deux années scolaires. On n'a pas pu jouer ce championnat. Heureusement que c'est parti aujourd'hui. Et j'ose bien croire que ça va aller de bout en bout et que ce serait comme les deux années passées. On a tout cumulé pour donner le meilleur et que les meilleurs éléments, il y en a plein au niveau de l'université, il y a plein de joueurs là-bas. Et comme il le dit, c'est un souhait de former une équipe nationale universitaire qui peut jouer en première division. Et je vous dis, quand les intellectuels jouent au football, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, Espoir, disons que souhaitons que la fête soit belle. Oui, moi, je crois que pratiquement tu as tout dit. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut féliciter les autorités universitaires. En ce moment difficile pour nos pays, vous savez que les pays africains connaissent des problèmes, surtout la sûreté de la vie, et que si ce moment les autorités, d'abord politiques et universitaires, ont voulu organiser ce championnat-là, il faut d'abord leur rendre hommage et les féliciter. Et surtout que l'homme ne vit pas seulement de l'intellect, il a besoin également du sportif, du spirituel et du mental pour être un tout équilibré. Donc voilà ce que moi je voulais dire. Oui, alors une conclusion rapidement. Hein. Bon, ouais. Une conclusion, alors, bon, c'est que et nous avons tout dit sur ce championnat, mais nous n'avons pas dit peut-être l'essentiel, ce qui nous a permis d'être aujourd'hui à ce début. C'est que certains ont cru en nous. Il y a eu des sociétés de la place qui ont cru en nous et j'aimerais leur faire un coucou parce que le championnat, je vais dire par exemple Togo. On ne va pas les citer, Togo, on n'est pas là pour faire la publicité des sociétés. Non. Il faudrait que je les remercie. Tu les remercies, mais il ne faut pas les citer nommément. Non, je ne vais pas les citer. Vas-y. Tu as 30 secondes. Seulement pour dire, le sponsor officiel Togo.com doit être vraiment remercié. Avec quelques autres, Bézik et puis Familk. Peut-être à la fin, tu peux les remercier, peut-être à la finale. Okay. Merci beaucoup. Alors, tu vas quand même rester avec nous. Le terrain de Totchi était en effervescence samedi et pour cause, la première édition du tournoi Un étudiant, une entreprise a démarré en présence du parrain chez Adebayo. Avec Johnson Aflim, voici le résumé. Le football comme vecteur d'excellence en milieu scolaire et entrepreneurial, telle est la philosophie de l'Institut africain des sciences, technologies et des métiers ISTM et de la Sea Foundation, fondation chez Emmanuel Adebayor, du nom de l'ancien capitaine des Éperviers du Togo. Cette philosophie a trouvé en 8 établissements scolaires des adjuvants, adhésion manifestée à travers la participation à ce tournoi. La formation du complexe sport-études Le Romario en maillot rouge ouvre le bal face au lycée de Zangira en blanc.
La première période, bien que rythmée par du beau jeu, avec un léger ascendant du complexe Le Romario, s'achève sans aucun but. Après la pause, la balance penche d'abord du côté des Blancs de Zanguera. Comme l'Angouaoui lance son équipe avec l'ouverture du score à la 55e minute. Pas vraiment le temps pour Zanguera de jubiler. La riposte du complexe Le Romario est immédiate. 57e minute, Sanson Tianile remet les pendules à l'heure. Le même joueur revient à la 105e minute pour son second but, celui qui les envoie, lui et les siens, en demi-finale. CSE Le Romario 2, DC de Zanguera 1 après les 2 fois 35 minutes de jeu. Pour une jeunesse togolaise plus responsable, le patron de l'IASTM, Boris Segbenou, et le parrain, Cheikh Emmanuel Adebayor, sont au diapason. Nous voulons encourager les jeunes dès le bas âge à prendre le chemin du travail, à s'armer de courage dans tout ce qu'ils font. Tout notre travail consiste à vraiment accompagner les jeunes au quotidien, à les écouter, à cheminer avec eux, parce qu'il n'y a pas que les études, il y a une vie aussi après les études. Je pense que c'est important de savoir prendre l'initiative, de prendre la responsabilité et de pouvoir les assumer. Et je pense que toujours, c'est ça qui m'a dit. J'ai connu beaucoup de jeunes, je connais beaucoup de jeunes qui veulent faire des choses, de bonnes choses. Ils ont de la volonté, mais ils n'arrivent pas parce que pas moment ça bloque, parce qu'un conseil d'un ami ou d'un grand frère ça leur bloque. Mais dans la vie, il faut savoir décider ce que l'on veut faire et ce que l'on veut devenir. Les lycées de Sagbado, Davedji et Zazi de Gomé ont également validé leur ticket pour les demi-finales prévues ce 7 avril sur le terrain du lycée Agis de Gomé 2. Dans le cadre de cette activité en vue de la bonne santé des femmes et des jeunes filles, l'association Jeunesse Ouara Sporting Club a procédé samedi au lancement du projet d'appui à la promotion des pratiques sportives des femmes. L'événement a réuni les responsables administratifs, sportifs et religieux de la commune Agouenivé 4. Plus de détails avec Jean Amevor Kofi. C'est autour du projet d'appui à la promotion des pratiques sportives des femmes pour la santé de la commune Agouenivé 4 que sont réunis ces responsables d'associations de défense des droits des femmes. On y compte également des responsables religieux, sportifs et administratifs venus de la dite commune. Occasion pour l'association Jeunesse Ouara Sporting Club de les informer sur les objectifs du projet. Nous avons entendu parler de ce projet de Confédias qui nous fait état du sport des femmes et on a bien voulu participer, Dieu aidant, on a été parmi les lauréats. L'objectif c'est de contribuer à l'épanouissement des femmes par la pratique du sport. Et de différentes manières, ça peut être les courses piétonnes, ça peut être la marche, ça peut être des compétitions féminines. À plusieurs niveaux, c'est de contribuer à ce que, en faisant du sport, ces femmes-là soient épanouies. À ce lancement, il y a beaucoup de présence des dames. C'est elles qui vont nous aider à travers leurs différentes associations et surtout au niveau des écoles aussi. Et mettre ensemble ces efforts pour contribuer à ce que le projet puisse véritablement laisser un impact positif sur le territoire de la commune d'Agouenivé 4. Un débat ouvert à cet effet a permis d'amener les participants à mieux cerner les contours et à susciter leur adhésion. Nous, les femmes, d'habitude, on ne fait pas le sport. Vraiment, le projet vient à point nommé nous aider vraiment à faire le sport. Et on envisage sensibiliser aussi les autres femmes à vraiment faire le sport, puisque le sport donne la santé. Le sport favorise la santé mieux que les médicaments. Les médicaments, c'est des toxines, mais quand vous faites du sport, dans les normes, je crois que ça permet à un individu de garder sa forme, d'éviter certaines maladies. Je ne peux que les féliciter. Je souhaite bon vent à ce projet qui m'a vraiment très 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 séduit. Rappelons que l'association Jeunesse Ouara Sporting Club forme les jeunes joueurs en football dans son centre situé à Agouéfi depuis. Il compte aujourd'hui 123 pensionnaires, dont 43 filles. On y trouve toutes les catégories de jeunes joueurs. Les 5 places réservées à l'Afrique au Mondial de football Qatar 2022 sont toutes occupées depuis mardi dernier. La Tunisie, le Ghana, le Maroc, le Cameroun seront de la partie sans oublier le Sénégal, champion d'Afrique en titre. Les Lions de la Teranga bourreaux une fois encore des pharaons d'Égypte. Le film de cette dernière journée des éliminatoires en Afrique, résumé à Flem Diosso. Sénégal-Égypte, ou le tome 3 d'une aventure sportive,
ayant pour acteurs principaux deux héros du football africain, Sadio Mané et Mohamed Salah. Et l'histoire donne à raison une fois encore au Lion de la Teranga. Comme le 6 février dernier, en finale de la CAN, où il a offert à sa terre natale sa toute première couronne continentale, c'est sur le dernier tir au but que Sadio Mané envoya son pays à la Coupe du Monde Qatar 2022. Un but partout sur l'ensemble des barrages aller et retour, puis 3-1 en faveur du Sénégal au terme d'une épreuve de nerfs aux issues imprévisibles. Pendant que les lions de la Teranga terrassaient les pharaons, leurs semblables, les lions indomptables, eux griffaient à mort les Fennecs Ablida en Algérie. Cameroun 2, Algérie 1, spectaculaire retournement de situation pour des Camerounais pourtant défaits 0 but contre 1 à Douala 4 jours plus tôt. Le troisième troupeau de lions en course, ceux de l'Atlas du Maroc, non satisfaits d'avoir contré les léopards de la République démocratique du Congo, un but partout à Kinshasa, ont cette fois réduit leur proie en miettes 4-1. Les Black Stars du Ghana ont aussi le billet donnant accès au banquet footballistique mondial. L'étoile ghanéenne a brillé à Abuja au point d'éblouir des aigles nigériens, coupables d'un nul suicidaire, un but partout après le 0-0 de Kumasi. Enfin, le Mali aura cru à l'exploit en terre tunisienne en vain. 0 but partout. Les aigles de Carthage seront présents au Qatar grâce à leur victoire au match aller. Jean-Louis, cette phase de retour a réservé des surprises. Oui, surtout côté Cameroun, hein, on ne s'y attendait véritablement pas. Même le match entre le Sénégal et l'Égypte, ce n'était pas 50-50 au départ, surtout à la phase de retour. Mais comptant sur la volonté des joueurs sénégalais, donc ils sont bien arrivés à damer le pion sur les pénalties hein, aux Égyptiens, c'est bien, mais je dis que le Ghana est passé, mais j'ai encore des doutes sur la cette équipe ghanéenne. Oui, parce que depuis 3 ans, le Ghana ne nous donne pas satisfaction au niveau de ses résultats. Et surtout, mais peut-être qu'il le fera à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, non, mais et tout se prépare dès maintenant. Mm-hmm. S'il y a une équipe qui qualifie le Ghana et qu'il faut balayer tous les joueurs pour faire une autre sélection avant la Coupe du Monde, je pense qu'il ne seraient pas prêts avant d'aller à la Coupe du Monde. Donc, ils ont beaucoup de travail à faire avec ceux qui ont participé à cette qualification. Et bon, je n'ai pas tellement grande confiance sur cette équipe du Ghana parce qu'elle m'a tellement déçu ces dernières années. Moi, franchement, je pensais que c'est le Nigeria avec cette pléiade de professionnels. C'est le Nigeria qui passait, mais c'est le football. Et en football, il suffit de marquer un petit but et de résister au milieu de terrain que vous avez le résultat à la fin. Donc, malheureusement, il n'y a pas de petit but. Le Mali aussi, depuis un bon bout de temps, le Mali sort des joueurs, des centres de formation qui sont allés au niveau professionnel. Mais alors quand ils commencent les compétitions, tu les vois, ils jouent très très bien, mais à la fin, le résultat ne suit pas. Donc il faut que le Mali revoie un tout petit peu ses sélections des jours à venir. Alors, Florent, que retenir de cette phase de retour ? Que j'ai réussi 3 pronostics sur 5 le lundi passé. Raté du côté du Nigeria contre le Ghana, puisque je parlais du Nigeria qui devait s'en sortir. Et forcément du côté de l'Algérie contre le Cameroun, où j'étais pratiquement sûr que l'Algérie va sortir. Mais en même temps, je le réitère, parce que c'était une façon aussi de voir une bonne représentation de l'Afrique au niveau donc des mondiales. Je vois mieux l'Algérie représenter l'Afrique
que le Cameroun. Et je vois mieux le Nigeria représenter l'Afrique que le Ghana. Mais bon, le football réserve des surprises. C'est vrai, une équipe ghanéenne vieillissante. Et c'est un pays aussi qui me surprend beaucoup, parce que nous sommes dans le domaine de la formation. On sait que les Ghanais transfèrent beaucoup de jeunes à l'extérieur. Ils sont très, 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 très alertes sur ce sujet-là. Mais bizarrement, on ne les retrouve pas au haut niveau. Il y a très peu de Ghanais aujourd'hui que vous pouvez citer dans le, voilà, dans les 30 grands clubs européens, les top 5 par exemple. Mais en même temps, ils sont rigides, ils sont solides. Ils ont pu garder une équipe et il faut souligner aussi ces entraîneurs locaux-là qui ont réussi à faire qualifier donc, leurs équipes. Bon, on va s'arrêter là. Je pense qu'on va souhaiter simplement que pour une fois que l'Afrique aille jusqu'aux demi-finales, et quelle équipe africaine pourrait peut-être nous apporter cela ? Peut-être le Sénégal. Et je pense le Sénégal, dans ce que j'ai vu comme sélection, qui peut peut-être nous faire espérer qu'une fois au moins qu'on arrive en demi-finale. Alors vous partagez les avis de... Oui, mais je partage, je voulais dire d'entrée que ces matchs-là, il faut pas les jouer, il faut les gagner. Parce que, quel que soit ce niveau de la compétition, la manière n'est pas importante parce qu'il y a un ticket au bout, c'est le Qatar. Et je crois que le match phare de la journée, c'est le match Sénégal-Égypte. Pourquoi le match phare ? Parce que l'Égypte, c'est une équipe difficile à battre. Elle a une bonne densité technique. Elle est tactiquement très en place parce que dans cette équipe d'Égypte, il y a le statut de l'équipe vient du cru national. C'est-à-dire les joueurs du Zamalek, de l'El Ahly et du Pyramide. Donc c'est une équipe très très forte et difficile à bouger. Les Sénégalais ont encore montré sur ce match-là qu'elle reste la meilleure équipe d'Afrique et qu'aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure sur le tirage au sort, je ne sais pas dans ce monde entier qui pourra nous dire jusqu'où le Sénégal peut aller dans cette Coupe du Monde. C'est la meilleure équipe, elle a prouvé dans ce match-là. Elle a dans son sein 3 ou 4 joueurs qui sont des joueurs de classe mondiale qui ont prouvé sur le terrain et je ne vois pas cette équipe où on nous dit, cette équipe-là, jusqu'où il est. Tous les sommités mondiaux du football nous disent aujourd'hui que le Sénégal est capable d'aller et de recueillir le Graal mondial. Bon, sur le second monde du Cameroun, le Cameroun a encore prouvé, une fois que ce sont les Allemands de l'Afrique, les Sénégalais, le Cameroun me rappelle 3 dates. Il y a 1988, où ils sont allés battre le Maroc à la maison. Et en 1990, ils ont fait un tabac pendant la Coupe du Monde. Ils ont battu l'Argentine. Et en 2017, ils ont été battre l'Égypte pour gagner la Coupe du Monde. Le Cameroun est, dans ce monde entier, en Afrique, la seule équipe qui a eu 5 fois la Coupe d'Afrique des Nations à l'extérieur. 5 fois, ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations et ce qu'ils ont fait à l'extérieur. Ça prouve comment cette équipe-là joue sur le mental, ça prouve comment les Camerounais sont une équipe sur laquelle, jusqu'au dernier moment, ils font compter sur eux. Ils ont encore prouvé sur le match contre l'Algérie. Jusqu'à la dernière minute, à la dernière seconde, les Camerounais, on les croyait éliminés, mais ils ont gagné. Le Maroc a prouvé de par son effectif qu'elle était supérieure à la République démocratique du Congo, donc ce n'était pas un match à suspense. Le Ghana nous a montré également que le Ghana reste une grande équipe d'Afrique et qu'elle a été également plusieurs fois à la Coupe du Monde et reste une grande équipe d'Afrique, malgré qu'aujourd'hui l'effectif n'est pas ce qu'on a pensé, malgré qu'ils n'ont pas réussi une bonne Coupe d'Afrique des Nations, mais les grandes équipes, comme le dit, ne meurent jamais. Le Mali est une équipe, à mon avis, formée de jeunes joueurs talentueux, mais qui n'ont pas l'expérience et la vertu des grandes rencontres. Et la Tunisie, à ce niveau de la compétition, nous a encore prouvé une fois qu'elle rentre une grande équipe et qu'elle est habituée, comme déjà en 2018, à aller en Coupe du Monde. Mais rapidement, espoir. Oui, ce qui me saute à l'esprit au cours de ces tours éliminatoires pour le mondial, c'est que l'Afrique noire est de retour. Parce que face aux pays maghrébins, il y a quelques années, dans ces matchs qualification aller-retour, l'Afrique noire peinait toujours à se qualifier. Surtout avec le Cameroun, un match à l'extérieur en Algérie, se qualifier comme ça à la dernière minute. Je crois que c'est le mental qui revient. Et on a toujours, l'Afrique subsaharienne a toujours été reconnue pour ça. C'est le mental qui nous, même techniquement, si on n'est pas bon,
au moins, il y a le mental qui nous amène très loin. Bon, les Sénégalais face à l'Égypte, je crois qu'il fallait s'y attendre. Les Sénégalais, ils ont été bons et puis ils devaient aller au mondial. Seulement, ma petite déception, c'est la RDC. La RDC, quand on voit les joueurs qui constituent cette équipe, on se dit qu'on peut bâtir une équipe. Actuellement, il y a des joueurs, mais il n'y a pas l'équipe. Et ils ont explosé logiquement au Maroc. Donc, et ceux qui se sont qualifiés, je crois qu'ils méritaient d'y aller. Et puis, les Maliens, ils vont apprendre encore pour revenir plus fort. Voilà ce que je peux retenir. Je voulais également ajouter que sur les 5 entraîneurs, il faut dire qu'il y a 4 qui sont des entraîneurs du cru national. Ça veut dire que l'expertise africaine est en train de faire de belles choses et qu'il y a encore de beaux jours devant lui, comme on a vu à la Coupe d'Afrique des Nations. On a ceux qui vont le prévoir aussi à la Coupe du Monde. Ah ouais. Alors, vendredi, donc, les 5 pays africains ont connu leur prochain adversaire de la compétition. Suite du tirage au sort effectué à Doha. Sergine Raimondo. Correct. Let's start this draw. Well, ladies and gentlemen. Absolutely. So, in pot one, hosts Qatar, Brazil. Qatar. Qatar 2022, 32 nations en lice. Réparties en 8 groupes, l'Afrique n'est pas du reste. Pour sa 3e participation à la Coupe du Monde, le Sénégal tentera d'aller plus loin que les quarts de finale comme en 2002, alors que les Lions de la Teranga participaient pour la première fois au Mondial. Pour cela, il devra d'abord affronter le Qatar, pays hôte, l'Équateur et les Pays-Bas, tous du groupe A. Le champion d'Afrique et son armada de footballeurs professionnels ont encore leur chance pour passer ce premier tour. De la poule A pour la D, on retrouve la France, champion en titre, favori de ce groupe, avec le Danemark et le vainqueur du barrage Pérou, Australie, Émirats Arabes Unis. Avec eux, les Aigles de Carthage de la Tunisie, présents au Mondial pour la 6e fois. Un autre habitué de la Coupe du Monde sur le continent africain, le Maroc, 6e participation, logé au groupe F avec la Belgique, le Canada, la Croatie. Des équipes que les Lions de l'Atlas ont déjà su tenir en échec. Le rêve est encore permis pour les poulains de Vahid Halilhodžić. Constitué du Cameroun, du Brésil, de la Serbie et de la Suisse, le groupe G passe également pour l'un des groupes très attendus de cette compétition. Cameroun-Brésil 2003, les Lions indomptables ont toujours en mémoire cette victoire qui donne espoir aux hommes de Rigobertson sur cette sélection brésilienne. Mais à trop vouloir se focaliser sur le 5 fois champion du monde avec 22 participations, le Cameroun, qui lui en est à sa 8e, pourrait être surpris par la Suisse. Affaire à suivre donc le 24 novembre prochain. Dans le groupe H, on retrouve le Ghana aux côtés du Portugal de Cristiano Ronaldo, de la République de la Corée et de l'Uruguay de Luis Suarez. 2010, quart de finale de la Coupe du Monde, Uruguay-Ghana. Les Black Stars privés d'une qualification pour les demi-finales après la faute de main de Luis Suarez. Match revanche donc pour le Ghana en novembre prochain. C'est depuis 1934 que l'Afrique participe à la Coupe du Monde. En 88 ans, la barre la plus haute jamais dépassée par l'Afrique est celle des 8e de finale. Le Cameroun, le Sénégal et le Ghana ont atteint les quarts de finale mais sans jamais les dépasser. Alors, l'ex-international togolais Koubadia Kader s'est aussi prononcé sur le groupe des Africains. Nous l'écoutons. Revenons sur le tirage, surtout sur nos 5 représentants. Le groupe A, Pays-Bas, Équateur, Sénégal, Qatar. Parmi les 5 représentants le mieux loti, je pense que c'est le Sénégal. Une équipe qui a beaucoup de potentialité, qui est en train de chercher progressivement son rythme. Je vais dire qu'il y a encore de quoi tirer dans ce groupe, dans cette équipe. Sur chaque ligne, on peut constater qu'il y a un joueur qui est parmi les meilleurs mondiaux à son poste. Vous prenez le gardien de Chelsea, Edouard Mendy, Gana Gueye PSG, Koulibaly l'un des meilleurs défenseurs, ne parlons même pas de Mané. Personnellement, je la trouve mieux que celle de 2002. Je profite de cette occasion pour saluer mon ami Aliou Cissé pour son travail extraordinaire.
cette personne qui, à qui j'ai beaucoup de respect, qui porte l'espoir, la confiance, un enfant digne de son pays, de son continent, un ancien joueur à qui on a donné le temps, chose qui échappe souvent à nos dirigeants. Revenons sur le groupe H, Portugal, Corée du Sud, Uruguay et Ghana. Un groupe qui ne sera pas facile pour le Ghana. Le Portugal n'est pas à présenter. La Corée du Sud, une équipe qui n'arrête pas de courir sur le terrain. Le fameux Uruguay, un match qui sort du contexte ordinaire, qui nous ramène forcément dans le passé, je veux dire, à la Coupe du Monde 2010, lors de quart de finale, une formation qui a amputé le pas du Ghana, et non pas que le pas du Ghana, à l'Afrique toute entière. Autrement dit, ce match qui devrait nous amener, nous les Africains, à une formation africaine à ce niveau de demi-finale, une histoire dans l'histoire de la Coupe du Monde pour revenir sur l'équipe elle-même. C'est une formation souvent difficile à manœuvrer et avec des joueurs très ténus. Revenons sur le groupe F, Belgique, Croatie, Canada. Vaïd est toujours tombé sur la Belgique, même étant sélectionneur en Algérie, c'était la même chose en 2014. Un groupe qui va être compliqué, la Belgique, une grande nation en football, à ne plus présenter le... Connaissant le Canada, les Canadiens en termes d'organisation et de la discipline, une chose qui peut peser dans la balance. Sans oublier la Croatie avec un effectif ténu, le groupe D, la France, Danemark, Émirats ou Pérou. Ça dépend d'une équipe tunisienne un peu moyenne pour jouer une Coupe du Monde. Il faut des joueurs, des leaders sur chaque ligne qui ont l'espérance. Chose que j'ai constaté, cette absence chez les Tunisiens. Soit faut jouer avec les leaders, soit avoir des joueurs besogneux qui vont au charbon dans la discipline. Mais c'est une équipe que j'ai constaté personnellement qu'ils sont entre les deux. Ça reste mon avis, que ça va être un peu compliqué pour eux. À ce niveau, tu payes cash. Pour rebondir sur le changement du nombre de participations africaines à cette compétition de 5 à 10, je crois que c'est cohérent. Depuis la création de cette nouvelle coupe du monde en 1930 qui était sous le nom de Jules Rimet, qui est devenue la Coupe du Monde en 1974. La CAF est celle qui dispose du plus faible ratio, je veux dire, qualifié parmi les 54 nations postulantes. D'où qu'il faut qu'on soutienne le sélectionneur des éperviers Duarte, et pourquoi pas ne pas être en Coupe du Monde la prochaine, je vais dire. Faut pas que nous, les Africains, comprennent cet avantage numérique des qualifiés comme un cadeau, mais comme une responsabilité pour ne pas être ridiculisé aux autres des autres continents, aux yeux des autres continents. Et ça doit commencer par l'organisation, la bonne organisation de nos championnats chez nous. À Lomé, la communauté sénégalaise a également vécu l'événement en présence de Saba Atou. Ambiance festive au rythme du Mbala, danse du terroir. La communauté sénégalaise du Togo célèbre les lions de la Teranga, qualifiés pour la Coupe du Monde de football Qatar 2022. On a bien suivi les tirages au sort pour voir notre pays Sénégal, Serre, Afrique, qui se représente dans la poule A. On a une équipe dynamique et jeune, une équipe qui est championne d'Afrique, avoir une étoile, qui peut faire quelque chose d'extraordinaire dans cette poule. On a fait cette fan zone pour préparer le mondial qui vient, pour cette communauté sénégalaise qui vit ici au Togo. On se prépare de cette mondial match par match Sénégal et match par match des équipes africaines. On a chanté et dansé, tout en ayant l'esprit tourné vers Doha, au Qatar, où s'effectuait le tirage au sort du rendez-vous politique mondial prévu en novembre prochain, face au Qatar, Pays-Bas et l'Équateur. Dans le groupe A, le Sénégal y croit. Le sacre des lions est arrivé 48 heures après qu'on ait installé notre président Macky Sall à la tête de l'Afrique. Donc sur le plan sportif, tout comme sur le plan diplomatique, au niveau de l'Afrique, il y a le Sénégal qui est au toit. C'est une grande fierté pour nous, pour notre peuple et je crois aussi pour nos frères togolais qui sont là. Maintenant, avec notre première étoile, je crois que le ciel est en train de briller pour nous. Espérons que cette brillance puisse continuer. Le Sénégal, comme tous les autres pays africains, qualifiés pour cette Coupe du Monde, doit faire mieux que jadis. On doit avoir l'ambition d'arriver au moins de placer deux équipes africaines en quart de finale de cette mondiale pour montrer à la FIFA que l'Afrique mérite mieux
qui est 5 places dans une phase finale de la Coupe du Monde. Mais arriver là-bas, il ne faut pas qu'on ait des complexes pour faire face aux différentes équipes qui vont entrer dans cette compétition. Le Sénégal croisera le fer avec les Pays-Bas au stade Al Toumama le 21 novembre 2022, un match inaugural du Mondial. Alors, Espoir Dibama, tu es un ancien international togolais. Est-ce que ce tirage arrange vraiment nos représentants au Qatar? Oui, je vais vous dire le fond de ma pensée. Non, justement, c'est pourquoi tu as Non, je ne vais pas faire dans la langue de bois. Ouais. Quand j'ai vu ce tirage, surtout les matchs éliminatoires, je me suis dit que ce n'est pas en 2022 que nous allons briser le plafond de verre. Et je ne crois pas du tout que ces équipes qualifiées pourront aller plus loin, sauf miracle, pourront aller plus loin que les quarts de finale. Parce que le niveau, bon, dans la combativité, on y est, mais il faut un peu plus que ça pour aller en demi-finale. Et vu les équipes qui sont qualifiées, à part un peu le Sénégal, encore, je pense que ce n'est pas en 2022 qu'on va briser ce plafond de verre. Bon, c'est ce que je pourrais dire. C'est ton avis personnel. Oui, c'est ce que j'ai. Alors, Jean-Louis, tu le partages sur ta vie d'espoir? Oui, moi aussi, je dis, bon, à un certain moment, il faut dépasser quand même les habitudes. Hein. Pour cette fois-ci, je compte beaucoup sur cette équipe du Sénégal. Parce que y a des joueurs de qualité dans cette équipe. Mais maintenant, il faut dépasser le cadre de la CAN pour se mettre au niveau du mondial. Et au niveau du mondial, ça ne se pardonne pas. Ça, c'est le haut niveau, le très haut niveau. Donc, il faut que les joueurs sachent, se mettent dans la tête que ce n'est plus en Afrique seulement que ça se joue, mais c'est au niveau mondial. Et qui sont là-bas pour représenter l'Afrique. Et continuer. Que toute l'Afrique a les yeux sur eux. Et il ne faut pas s'amuser, il faut vraiment taper dans le ballon pour donner du résultat. Et je pense que le Sénégal peut aller très loin. Même le Cameroun, bien que le Cameroun ait des difficultés pour se qualifier, mais je me dis avec Gilbert Song et puis Eto le président, ils vont essayer de pousser ces lions indomptables à aller plus loin. Et je pense qu'il y a un bon travail qui va se faire les mois qui viennent là. Mais pour le reste, le Ghana qui doit essayer d'être en réflexion pratiquement, hein, parce que l'effectif là… – Oui, on avait déjà dit bon, ça. Ouais, – donc je me dis… en tout cas, voilà mon point de vue sur les équipes de l'Afrique noire. – quoi. Ok, alors Florent, qui peut accéder au second tour, et voire même plus hein ?– Bon, vu… Les combinaisons, je pense que le Ghana est mal barré, le Cameroun aussi. La Tunisie, vu l'effectif, je crains aussi que les carottes soient cuites aussi pour la Tunisie. Donc, il ne reste que, oui, le Sénégal et le Maroc. Le Maroc surprend souvent. C'est une équipe assez jeune, qui est très joueuse. Je pense que la formation même marocaine doit faire objet de partage, de bonnes pratiques un peu en Afrique. Véritablement, je pense entre-temps même que la Fédération de football avait un partenariat avec le Maroc. Souvent, quand le Togo même joue le Maroc, on a vraiment du mal, même les pays maghrébins de façon générale. Ils jouent beaucoup et ils peuvent surprendre. Le Sénégal, je l'ai dit tantôt, c'est peut-être le Sénégal qui pourrait, mais je partage quand même l'avis de Espoir. Je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusqu'au bout, mais j'espère qu'ils aillent au moins jusqu'en demi-finale. Alors, Espoir. Oui, mais moi, je dirais d'abord pour que c'est la première fois qu'il va y avoir une Coupe du Monde pendant l'hiver et que la deuxième fois que le pays… – Mais ça va se jouer dans les stades climatisés. – Absolument. et puis, c'est la deuxième fois qu'on va jouer une Coupe du Monde avec une équipe locale et qui ne jouera pas le match d'ouverture. Ouais. Parce que le match d'ouverture, ce sera entre le Sénégal et les Pays-Bas. Moi, je pense aujourd'hui, bon, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, hein, je crois que le Sénégal fait l'unanimité au niveau même de tous les grands entraîneurs, de tous les sommités mondiales du football. Et puis le Sénégal a atteint une dimension spirituelle, mentale et psychologique. Vous voyez l'équipe, on l'a dit, ils ont pratiquement de très bons joueurs.
ils ont également un banc de qualité parce que la dernière fois, si vous vous rappelez, Abou Diallo du Paris Saint-Germain n'a pas joué. Ils ont fait venir Pape Cissé qui joue en Grèce et qui a fait le boulot comme Abou Cissé. On a même déplacé Bounassa pour l'amener comme ailier droit. À la place, on a mis Sabali qui était tuteur là-bas, qui a fait un match époustouflant. Donc, ça veut dire que même au niveau du banc sénégalais, il n'y a rien à redire. Le banc est bien fourni. Est fourni que le coaching de Ali Cissé est un coaching de très grande qualité. Donc, pour le Sénégal, je crois qu'on ne sait pas jusqu'où le Sénégal, dans cette Coupe du Monde, va s'arrêter. D'ailleurs, souvenez-vous qu'en 2002, ils étaient déjà en quart de finale et qu'en 2018, ils auraient pu aller au second tour, ne serait-ce qu'il y avait un problème de carton jaune. Ouais, ouais, ouais. C'est ce problème de carton jaune qui avait recalé le Sénégal. Maintenant, je prendrai le cas de la Tunisie. Regardez, chaque fois que la France est dans un groupe avec les pays africains, ils ont des difficultés. Souvenez-vous qu'en 2002, ils ont été battus par le Sénégal. En 2010, ils ont été battus par l'Afrique du Sud. Mmh. Et même en 2006, ils ont eu des problèmes avec le Togo. C'est seulement en 2009 que je crois que les Français, c'est vrai que dans ce groupe, ils sont favoris parce qu'ils sont champions du monde. Et que dans ce groupe-là, ils sont favoris. Mais attention, parce que ce qui leur est arrivé déjà peut se répéter. Et puis le Maroc, comme ils l'ont dit, je crois que le Maroc est en si bonne position. Le Cameroun également retrouve le Brésil, qu'ils avaient déjà connu en 2014. Mais je crois que les Camerounais, avec le mental et de ce qu'ils ont fait pendant cette dernier match-là, je crois que le Cameroun est, à mon avis, en bonne posture pour relever le défi s'ils se remettent au travail. Et que, également, je crois que le problème du Cameroun, il va falloir également un peu refaire l'équipe. Je crois qu'il y a des places qui sont des places qui ne sont pas très bonnes et qu'il y a des joueurs camerounais en Europe auquel on peut encore faire pour revenir. Bon, le Ghana est une habituée des grandes compétitions, mais le Ghana peut encore, à mon avis, qu'ils ont fait avec les Nigériens, et récidiver. Donc, mais je crois que l'équipe sur qui on peut compter, c'est le Sénégal qui peut aller loin dans cette compétition. On ne finira jamais de parler donc de cette Coupe du Monde. Nous aurons l'occasion de revenir discuter la semaine prochaine. Et voilà, nous approchons donc de la fin de cette édition. Pour boucler le traditionnel tour de table, en commençant donc par Florent. Bon, j'ai rien à dire cette fois-ci. Je salue. Il n'y a pas le plombier à saluer. J'ai déjà salué le plombier, le maçon. Maintenant, à qui le tour? Peut-être le ferrailleur. Le carreleur. Sinon, là, on va dire que je construis une maison. Ben, bon, bref. Non, je vais plutôt réserver cela en soutenant mon frère Eddy Bayouma Espoir et l'Université de Lomé, en les encourageant pour effectivement de l'éveil des talents, en même temps l'exposition des talents. Mais aussi, il y a une franche collaboration avec éventuellement des clubs où ces étudiants-là peuvent se retrouver, qu'elles soient privées ou qu'elles soient d'une sélection. Et c'est important de mutualiser nos ressources. C'est important aussi de capitaliser les acquis. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup dans notre pays. Chacun tire de son côté et finalement, on se retrouve dans une armée mexicaine. Donc, essayons quand même de mettre tout ensemble et de faire de manière à ce que nous tous nous puissions tirer dans le même sens. Voilà, merci. Oui, alors justement, Espoir et Débarma. Oui, Florent, je remercie Florent d'être revenu sur ce sujet des championnats universitaires parce que, en temps normal, nous sommes toujours ouverts à tout. Même quand les entraîneurs, les présidents viennent, je me charge de les installer pour qu'ils puissent vraiment voir ce que nous faisons. S'il y a des éléments qui leur frappe dans les yeux, nous ne nous en occupons pas. Après l'université, dans les clubs civils, on n'exige rien. Donc, nous allons essayer d'améliorer au jour le jour ce que nous faisons pour faire éclore les talents, beaucoup de talents à l'université de Lomé. Et je vais pas finir sans dire que nous invitons quand même les médias qui nous supportent à continuer ainsi. Parce que je vois que même cet après-midi, il y en avait beaucoup qui vont parler du championnat universitaire. Qui en ont fait. Bon, j'étais même suivi en temps sur le Sport FM. Je ne vais pas vendre la mèche. C'est pourquoi tu es venu en retard. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Merci. Alors, grand frère Jean-Louis Couillonou. Oui, moi, je vais profiter de l'occasion pour remercier la Fédération Togolaise de football qui n'arrête pas d'organiser les stages. Hein.
Demain, ils n'arrêtent pas d'organiser les stages. Et ça c'est bien. Ça prouve que on a vraiment envie d'améliorer nos performances, surtout au niveau des équipes nationales. Et surtout féliciter les autorités togolaises pour la reprise des activités sportives au niveau de l'Université de Lomé. Oui, également féliciter la fédération pour les initiatives qui sont prises. Je crois que c'est une grande première dans l'histoire du football dans l'ère d'Akpobi, qu'on fasse un stage avec l'UFA, qui a bien voulu nous aider dans la programmation, la formation des entraîneurs, des joueurs. Et des clubs aussi. Et également des clubs. Et également les efforts qui sont faits pour redéployer l'équipe nationale à prime et pour les compétitions du Chan à venir. Donc nos joueurs sont actuellement en Algérie pour deux matchs avec l'Algérie. Et également souhaiter que les conditions soient faites pour que nous ayons un bon début de championnat. Je voulais terminer en parlant toujours du Cameroun pour dire que les Camerounais sont à leur 8e participation à la Coupe du Monde. Je crois que cela également peut servir de motivation pour eux et pour les amener à faire mieux que les fois passées. Merci donc à Espoir, à Soubravi, merci à Espoir Eddy Bauman, merci à Florent Kataka et merci au grand frère Jean-Louis. Alors c'est donc la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe technique. Je souhaite un joyeux anniversaire à Papa Eto depuis Sokolé qui a soufflé une bougie de plus ce lundi 4 avril 2002. Au revoir et à très bientôt.